Donc voilà, je me suis posé, je sais pas trop où je suis, direction Key West, et je me suis arrêté sur une petite plage toute sympa, enfin une plage, un embarcadère, et puis voilà, je fume une clope et je repars. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble là où je suis posé. C'est tout calme, c'est beau, c'est chaud, il fait très chaud. Voilà, on avance un peu, un des ponts, un des nombreux ponts de Key West. Got a dirty mind, I got filthy ways. I'm trying to bathe my age in your Milky Way. I'm a legend, I'm irreverent, I be reverent, I be so far. We don't give a fuck. Welcome to the danger zone, step into the fantasy. You are not invited to the other side of sanity. They calling me an alien, a big headed astronaut. Maybe it's because your boy Yeezy get ass a lot. Voilà, donc j'ai trouvé ma chambre dans le Young Hostel. J'ai galéré au Keys, hein, putain, pour la trouver, cette auberge de jeunesse, oh, ce 4x4. Oh. Enfin, j'ai galéré à la trouver, cette auberge de jeunesse, donc c'est bon, j'ai ma chambre. Pas de la clim, il fait 35 degrés, hyper humide, c'est une catastrophe, franchement, les Keys. Il fait super chaud. Donc voilà, petit mojito, je sais même pas où, à Landshark, and Nick, New Zealand friend. Hello. Nice. We having some mojitos. We drink mojitos and after we go at the Conca to see the sunset on the top of the hotel. Donc voilà, on est sur le toit de l'hôtel de la Conca pour voir le coucher de soleil avec Nick. Hey Nick. Yeah. Et puis bah c'est super beau. Et bah j'espère prendre pas mal de photos. On va faire le tour. Je sais pas si on verra grand chose. C'est vraiment magnifique. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Donc voilà, de retour à l'auberge de jeunesse. On a été visiter 2-3 conneries comme le muséum maritime de Mel, je sais plus quoi, des galions espagnols qui avaient coulé, ils ont récupéré 200 millions de dollars en or. Là on retourne à l'auberge de jeunesse, mais je vais peut-être déjà le dire. Il fait toujours aussi chaud par contre, hein. Je sais pas comment il fait. Toujours avec Nick aussi. Nick is here. Alors. Et après on va faire une petite baignade à la plage parce que quand même on est en Floride, ce serait dommage de pas aller se baigner. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc ça y est, on y est, là, on va faire notre première mise en baignade. On va aller tester ça, un peu voir ce que ça donne. Voir si elle est bonne. Puis on va aller tester la cam si elle est étanche. Donc voilà, bah, prochain épisode sous l'eau. Donc voilà, on a mangé dans un très très bon dîner. Je fais la traduction. We have a lunch of the very very good restaurants. Yes, Nick? Very good. Yeah. Very good restaurant Mexican. And now we smoke a very big cigar on the cigar store. C'est un peu une, en fait, la cave à vin. Chez nous on a des caves à vin, bah là il y a des caves à cigares. On est dans un pur siège, je sais pas si on voit, avec des photos. On voit la rue avec les gens qui passent.
The American story. Voilà, c'était le dernier virage pour quitter les Keys. Donc j'ai vraiment passé un super moment aux Keys, merci à Nick. J'ai découvert beaucoup de boîtes de nuit, les gens sont vraiment très sympas, les filles américaines aussi sont assez surprenantes d'ailleurs. Franchement merci, voilà, c'est parti, je suis parti pour 165 km pour rejoindre les Everglades. Et merci aux Keys pour son coucher de soleil, sa plage, ses bars, leur accueil, leurs cigares. C'était vraiment super quoi, vraiment très très belle chose. Merci à eux. Alors là on va faire un petit test, on va voir comment la caisse elle pousse. On va profiter 30 secondes. On va voir ce que ça donne. Ouah, tout est tombé. Ouais, c'est pas mal. Sympa. Ça marche pas mal. Voilà, les pompiers à l'américaine. Get, get. Regardez. Kilago Fire Rescue. Petite balade en airboat, super sympa, rien de transcendant. Puis là, je suis dans une espèce de tipi avec un énorme propos. Vraiment bon. Petit test, on va lui lancer des petites granules, on va voir ce que ça donne. Bon, je l'intéresse même pas, hein. C'est nul. Ah si, il y a du monde, hein. Ah. Ça fait un bruit trop marrant.